Bonjour, moi c'est Gary Jean-Baptiste pour SPNH. Comme annoncé, SPNH les lancer combat contre corruption dans la police. Nous connaissons qui sa corruption fait Haïti, nous connaissons qui sa corruption fait institution. La police, c'est une institution qui est affaiblie, qui est écrasée, qui a tout subi, tout ça subi à cause de corruption. Je veux dire, si la police n'a pas servi nous, si la police n'a pas là, il n'y a pas un hélicoptère, il n'y a pas un bon blindé, il n'y a pas un ZAM. Nous avons une bonne police qui est obligée de courir quitter le pays parce que nous avons une situation difficile, c'est à cause de corruption. Je veux dire, SPN a envoyé un message à la société, il a un message à tous les policiers, il a un message à ça qui est à l'étranger, qui a souffert, nous connaissons la situation parce qu'ils ont quitté le pays parce que seulement insécurité. Et la police est capable de résoudre ou bien pas jouer, participer pour ne pas arriver pour nous arriver aujourd'hui. Eh bien, SPNH, qui est le syndicat de la police, là, lui lance la bataille contre la corruption. Je n'ai pas regardé là, je n'ai pas remettre la presse, copilote là, ça c'est accusé là. Qui dit, mets ensemble de dossiers pour regarder pour nous, pour nous regarder comment ça y est. Et ce n'est pas ça seulement. Nous avons l'autre dossier qui parle de l'ILCC et nous avons l'autre dossier qui parle de coup de compte parce que nous demandons audit sur la police. Là, parce que je dis à l'éclair que l'institution n'a pas qu'à fonctionner tant que nous ne combattons pas la corruption. SPNH, il lance combat corruption parce que. En 2024, c'est une année bataille, c'est une année goumé pour nous camper la police, pour la police servir la population. Pour la police, il y a des moyens, parce que nous avons un bon million de postes dépensés dans la police, mais qui ne pas venir joindre nous. Ok? Nous avons parlé avec nous, là, il y a 19 ans dans l'institution, uniforme qui sont moyens. Je nous aime, non? Uniforme qui sont moyens, c'est moi qui fais. Et moi, je baille le coup de lit. Je n'ai pas balle qui sont moins n'avoir que le pas marquer et PNH parce que c'est moi-même qui achète la jambe. Est-ce qu'on situation va continuer à marcher comme ça? Non. Nous-mêmes dans SPNH, on dit corruption, c'est le poison, on n'a pas attaqué corruption et tout le monde qui est dans corruption. Tout le monde qui a gagoté l'argent sous la police, ou bien qui dans la police, ou bien qui dans l'autre institution qui utilise la police comme va chaler, doit gagner la justice. Nous croyons dans l'USCC, nous croyons dans la justice pays nous, et bataille, ça, c'est une bataille qui est de permanente, bataille, ça, c'est une bataille de longue haleine. Et il y a des jeunes garçons et des jeunes femmes. Pas oublier, SPNH, c'est lui-même qui a eu courage pour le dénoncer. Une bonne bagarre qu'a faite dans la police, et bien je dis, il prend une autre route. La route, ça, c'est la route côté. Nous allons mener une vraie bataille là, parce qu'il y a des gens qui sont corrompus, il y a des gens qui participent dans le gal, qui participent dans le gagoter l'argent pour qu'ils aient aidé nous-mêmes. Nous jouons gilet, nous jouons casque, nous jouons bon blindé, nous jouons hélicoptère. Je dis à nous que. Au lieu de renforcer la police, au lieu de nous moyens pour nous faire ce job là, c'est plutôt un pays étranger. Déjà, nous sommes dans un pays étranger. Nouvelle là, c'est 300 Kenya qui en février. Nous avons été venus depuis plus qu'un an. 300 policiers Kenya qui ont venu. Pour qui ça 300 policiers ça a eu comme résultat? Pendant ce temps, il y a des milliers de policiers dans le pays. Il y a des milliers de policiers en dans l'institution. Il y a plusieurs centaines en dans la mer. Pour qu'ils aillent pas une gaz, ils moyens pour faire travail là. Et bien nous-mêmes, nous espérons la chose. Poison corruption, nous lançons bataille contre lui. Nous prenons courage, nous avons deux bras. Et la nation a bien pour songer que ce n'est pas nous tous dans la police. Ce n'est pas nous tous dans le pays d'Haïti qui rentré dans la corruption, qui à l'aise dans la corruption et qui à l'aise pour le pays à côté de gens liés aujourd'hui. La police a bâillé le résultat, c'est si. Les gens qui dirigent le volonté et si
moun kap dirije lyo coupé fâché avec corruption. Bataille contre corruption li lancé en dedans SPNH, c'est en dedans la police là, faut que l'État, faut que ULCC, faut UCREF, faut coudre contre faire audit sur la police là pour nous connait paquet millions ça pour qui ça pas ban gilet, pour qui ça pas ban casse, pour qui ça pas ban nous. Un policier a touché jodi a $168 américains. Nous avons une économie en inflation de plus de 53%. Qui sont vous qui résultat? Un policier, je dis, il faut un policier qui n'a pas de gilet pas Zam qui nous met, c'est un zam qui répond vrai. Je dis, il est important pour que nous connaissions que ce n'est pas nous toute la société, ce n'est pas nous toute la police. Mais nous connaissons un peu de critique qui vient vers les policiers. Mais là, nous cherchons qui sont les policiers à vivre et bien, nous comprenons qui ça fait travail là. Qui ça fait ce travail là, pas qu'à faire de deux fêtes là. Pour qui ça joue à nous pas un hélicoptère? Pour qui ça joue à nous pas un bon blindé? Pour qui ça blindé ou t'acheter là? Et parmi nos dossiers, vous pouvez regarder combien de blindé ou combien de matériel acheté maintenant? Pas pile million. Blindé ça vous acheté là, et pas blindé. Et pas, y a pas vos prix qui dépensent pour vous. Blindé ou pas de qualité. L'important pour que nous ayons un bon blindé, pour nous ayons un hélicoptère, pour faire travail là. La police là, pas qu'à quand était dans la corruption, tant quelqu'un est dans la corruption, on ne peut pas faire un travail. Dis-nous non, et audit ça, c'est sous administration et DGLBN ou... Non, nous-mêmes, nous ne pouvons pas mener bataille, nous ne pouvons pas mener une bataille contre nos mounda, nous n'avons pas un problème personnel avec personne. Nous-mêmes, dans SPNH, nous avons gardé l'institution. Audit, dossier de balgué pour nous porter dans le coup de compte par exemple, il concerne audit sous 10 dernières années dans la police. Il en est de même pour dossier parler qui vient de l'ISSC parler dans l'ICREF, c'est des dossiers sous des années qui concernent plusieurs commandements. C'est important pour que nous disions, nous gardions qui s'est fait à l'argent. L'argent qui vient non seulement de taxes, qui vient de population, mais l'argent qui vient tout de l'autre peuple, soit peuple canadien, peuple américain, l'autre peuple qui bat nous, des millions. Qui vient dans la police et qui passe bien. Qui vient dans la police et qui passe vie pour la police. Parce que sinon, nous avons un hélicoptère, nous avons un chat, nous avons un. Je dis à la, passez nos commissariats et les journalistes, regardez comment les policiers vivent. Les commissariats, c'est un pas côté bête habité. Pendant ce temps, les policiers ont touché $168 américains par mois. Les policiers là, qui, même si vous êtes agent 4, sous d'homme, pas touché agent 4. Depuis 4 ans, je touché agent 3. Les policiers là, qui sont inspecteurs, qui touché agent 3. Des policiers qui inspectaient divisionnaires. Pendant ce temps, l'a touché agent 4. Parce que la police, là, c'est un vache à l'air, un bon monde à utiliser pour faire cob. Une bonne rubrique dans budget la police, là, nous ne savons pas qui ça a utilisé, qui ça a fait avec eux. C'est ça, nous demandons l'État, nous demandons USCC, nous demandons ICREF, nous demandons coup de compte pour aller garder pour nous. Garder pour nous ce qui passe dans la police. Là. La police n'a pas qu'à descendre Bibali. Il est trop important pour nous quitter la police à craser. SPNH prend courage derrière les bras et demande toute société à camper en bas, camper derrière la SPNH et nous, tous policiers, je dis à la, nous en mode pour nous pas demander, mais pour nous exiger, bah, nous ça nous doit, nous pas courir pour nous bloquer, même si nous des centaines de bloqués et Mexique, ça va passer misère Nicaragua, ça y est qui se domine parce que la situation est difficile pour eux. Toute société a deux ensemble qui dit ah bah corruption dans la police là et c'est corruption qui est mettée faire la police là comme ça. Je dis à nous tous, qui ces journalistes, qui quel que soit monde dans la société là, si t'es un policier efficace, qui a bail résultat, je dis à Haïti pas prendre ça là. Si 12 mars 2021, t'es l'État, t'es campé, t'es posé des actions, je dis à nous pas prendre lié. Commandant qui habite là, c'est France LB, son policier qui fait carrière dans la police là. Je dis à nous dit lui, faut bail plus résultat. Et nous te disons déjà, le fait que pendant 2 ans, nous n'avons pas de résultat, nous nous disons que nous-mêmes, l'État doit tirer la révérence. Comme étant donné, ce n'est pas nous qui avons décidé de ne pas avoir un pouvoir pour nous changer de directeur. Mais s'il l'a toujours, il doit assumer. Il n'est pas capable de Kenya pour aller pour les policiers, pour venir. Pendant ces policiers par lieu-là, mandez le moyen. Moyen pour nous travailler. Moyen pour que nous capables de job, pour nous servir la population. Mais vous bagaille, on va m'aller. Je vais rappeler pour nous et SPNH, nous-mêmes nous réfléchissons pile sur ça. Si nous avons une force de police efficace, c'est vrai là-bas nos résultats. Mais si les gens qui sont dans la rue, si les gens qui sont dans le ghetto, si les gens qui sont dans la situation, dans la société capitale populaire, si nous n'avons pas de chance pour aller à l'école, si nous n'avons pas de chance pour venir des citoyens demain, même j'ai un petit policier qui mourit. Haïti pour pouvoir sortir dans l'insécurité. Faut que je dise tout. L'important pour que nous gardions comment base société. A. Mais si nous finissons résoudre le problème de Timounio, faut que nous arrivions sur entrepreneurs
entrepreneurs de sécurité, les gens qui investissent dans la sécurité, les gens qui profitent de la sécurité pour faire millions. Chaque monde mourit, policiers ou bien coup civil, ça va interpeller les personnes. Parce que l'insécurité, c'est une source côté en pile monde à faire millions. Entrepreneurs de sécurité, il faut nous river sur eux, il faut que la justice rive sur eux, il faut qu'il y ait sanctions, il faut qu'il y ait prison. Parce que la situation est difficile en pile, est difficile pour nous tous. Les policiers ont kidnappé. Nous avons des policiers jusqu'à présent, nous avons un inspecteur divisionnaire qui, parmi deux autres kidnappés dans l'espace de 8 jours, il y a jusqu'à présent qui, non mais bandit, avec des policiers là, policiers, il a subi, il a vécu la sécurité dans la chair, dans l'homme. Combien de temps tout de démarche ça? Nous croyons que l'ISCC a fait suite pour le garder pour nous. Et nous croyons que la bataille n'est pas aujourd'hui, elle a commencé avec SPN aujourd'hui, elle doit continuer. Chaque cas nous joue. Nous avons porté le bail à la justice, chaque cas nous avons fait des marches sous lui, parce que nous avons un bon cas de corruption qui a passé actuellement pendant que nous parlons là. Nous avons des policiers qui nous sentent, qui ont dit nous, prime de risque pour eux, pas joindre. Il y a des policiers qui sont en polyfront, qui ont prime de risque qui pas joindre. Qui ça? Nous avons des matins sur Radio Caraïbes, il y a des dizaines d'employés civils qui nous ont mis depuis 3 ans, ils n'ont pas touché. Nous connaissons SPNH, ce n'est pas le seul syndicat qui est dans l'institution. Est-ce que c'est une démarche que nous faisons nous ou bien nous souhaitons l'autre syndicat rejoindre nous dans la démarche? SPNH, pas demandé seulement un syndicat, mais tout le monde qui croit que la police là doit être efficace, vient rejoindre nous, bataille contre la corruption, nous lançons et 2024. Nous allons jouer une police qui va obliger les responsables. Si vous responsable, fort ou pas le résultat. Les policiers ne peuvent pas continuer à mourir. Les policiers ne peuvent pas regarder les familles qui ont continué à mourir. Les petits, il y a un pile de policiers qui disent que c'est quand ils ont été. Parce qu'ils ont quitté les zones côté de l'été. Mais l'important aujourd'hui, pour que SPNH, société, tout le monde ensemble pour nous combattre la corruption. Toute institution, on a commencé. Institution la police ça qui est important pile parce que sans sécurité nous pas une société qui stable et pas qu'un développement sans sécurité. Merci beaucoup. Merci, espérons que vous remerciez nous.